C'est bon. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Sir Marc Debien, tel que c'est écrit là à l'écran. Je suis coordonnateur de la production au CCDMD depuis près de 5 ans, mais j'ai été chargé de projet pendant plus de 20 ans. Donc, ce qui est intéressant, en fait, ce que j'écoute depuis tout à l'heure, depuis ce matin, puisque je lis les lectures que je fais, c'est que depuis 25 ans au CCDMD, on fait des jeux sérieux, sans que ça se soit nommé comme tel depuis cette époque. Et qu'aujourd'hui, on a réussi, on théorise ce que nous avons fait, ce que nous faisions de façon carrément empirique ou expérimentale. Aujourd'hui, c'est le fun, c'est qu'on est capable de mettre des éléments de théorie autour de ce que nous faisions de façon intuitive depuis quand même un bon moment. Donc, ce que vous allez voir, je vous présente de façon très, très brève, très brève, c'est-à-dire un inventaire d'une vingtaine de produits qu'on a réalisés au cours des 25 dernières années. Pas la plupart, mais certains d'entre eux sont plus fonctionnels parce que, compte tenu de la désuétude technologique, pour toutes sortes de raisons, on ne les a pas supportés. Mais ça va vous donner une idée de ce qui s'est fait. Bon, la présentation que je vous fais, j'ai essayé de regrouper les produits qu'on a développés en catégories. Est-ce que tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît, Laurent? Merci. Les produits, bon, je vois rien que je parle de cette diapo, ensuite je vais aller à la prochaine. On existe depuis 25 ans, comme je l'ai dit, on est financé par le ministère de l'Éducation et l'Enfance de Québec. Et là, je viens de perdre le contrôle, OK. On a 288 produits actuellement sur nos sites, sur nos serveurs. On en a plus que ça qui ont été réalisés. Plusieurs sont tombés en désuétude pour toutes sortes de raisons. 121 manuels, 92 sites web, 26 logiciels et 52 en français. S'il y en a qui connaissent CCDMD, /FR, vous allez voir qu'il y a à peu près une cinquantaine de petits jeux pour l'amélioration de la langue. Ce sont des petits jeux relativement simples qui pourraient se traduire comme étant des quiz animés avec des dessins, des illustrations, etc. Je ne parlerai pas de ces produits-là parce que ce sont des choses que moi je pourrais appeler des petits quiz. On peut passer à la prochaine. Les quatre catégories, la première, ce sont les jeux de type fiction. Ce sont des jeux, là, je vais vous laisser le lire, mais puisque j'ai peu de temps, je vais y aller de façon assez brève. Donc, ce sont des jeux dans lesquels l'étudiant est placé dans une situation qui produit une réalité fictive et plausible. C'est-à-dire que l'étudiant doit réaliser une action. Comme par exemple, dans le cas de chasseur-cueilleur, ça s'adresse aux étudiants qui sont en anthropologie. Dans ce cas-ci, on doit faire vivre une tribu de chasseurs-cueilleurs pendant un an. Donc, avec tout ce qui s'appelle la sécheresse, les inondations, les pluies, tout ce qui peut se produire auprès d'une tribu de chasseurs-cueilleurs, donc tous les imprévus, on doit s'assurer de faire vivre notre tribu pendant un an. C'est un but simple, mais l'objectif, c'est de réussir à la faire vivre. Si on a échoué, évidemment, on va perdre certains membres de notre famille, mais en même temps, au fur et à mesure que le jeu évolue, si on fait des erreurs de façon consécutive, bien, il y a une rétroaction. Et une des rétroactions, c'est qu'on peut perdre un membre de la famille. L'autre rétroaction, c'est qu'on peut avoir une naissance. Donc, tout est prévu dans ce sens-là. Campagne électorale, c'est un peu le même principe, c'est de gagner une élection. Allô, j'entends des voix en arrière, c'est correct? Oui. Simulation d'un exercice en relation d'aide, c'est probablement un des outils qui est le plus utilisé. Ça a été mon premier outil, mon premier logiciel que j'ai fait, mon premier jeu que j'ai fait quand je suis arrivé au CCDMD. C'est simplement un outil qui simule une communication en contexte de relation d'aide. On a différents personnages et la personne nous exprime son malaise ou un problème. On a un choix de réponse. On lui pose une question. Elle nous répond. À un moment donné, si on ne fait pas une écoute correcte au sens de la relation d'aide, on se fait éjecter tout simplement de la discussion. La personne passe à autre chose, elle nous laisse en plein. Et Vendeur 4, simplement un jeu qui permet de simuler ou de reproduire le rôle d'un vendeur itinérant. Il doit maintenir son inventaire, maintenir ses présentoirs. Le représentant, il représente les produits Richard. Je ne sais pas s'il y en a qui font un peu de bricolage, là, les spatules migratoires. Richard, là, les manches jaunes et vertes. Donc, c'est un représentant de ces produits-là. Donc, il doit s'assurer que sa compagnie fonctionne bien. C'est
ventes vont bien, puis si ça va pas bien, il perd les ventes, puis il peut arriver à la faillite au final. Ça, c'est de type fiction. Donc, on met vraiment l'étudiant dans un contexte où il y a des actions à prendre, il y a des réflexions à faire, et s'il ne fait pas la bonne ou le bon choix, on l'envoie sur une mauvaise piste, et il peut être tout simplement éjecté. Prochaine. Laurent? Pas Laurent, Jean-Pierre? Non, c'est moi. Jeux de simulation de type réaliste. Ça, ce sont des produits qui ont été réalisés dans le cadre de besoins très, très spécifiques. C'est que ce sont des étudiants, par exemple, en technique policière ou des étudiants en logistique du transport ou des étudiants en technique d'analyse biomédicale. Ils ont des outils à apprendre. Ils doivent maîtriser un certain fonctionnement de logiciel. Nous, on a développé des logiciels génériques qui reprennent essentiellement ce qui existe dans l'industrie. Par exemple, dans le cas de simulation technique de traitement d'analyse biomédicale, c'est un outil qui existe dans les hôpitaux, dans les laboratoires d'analyse biomédicale des hôpitaux. On l'a fait de façon générique parce qu'on n'avait pas accès au module formation de cet outil-là. Et les cégeps, pour les étudiants, avaient besoin d'un simulateur. Donc, on n'a pas tout reproduit les fonctionnalités, mais c'est simplement, on a reproduit l'essentiel des fonctionnalités pour que l'étudiant comprenne la mécanique, comprenne le fonctionnement, l'intègre. Donc, lorsqu'il est face au vrai logiciel, il n'est pas pris au dépourvu. Il comprend ce qu'il a à faire. Même chose pour Simlog, c'est un logiciel qui représente, qui reproduit un simulateur de gestion du transport qu'à peu près toutes les compagnies de gestion de transport utilisent. Nous, on en a développé un de façon générique, mais qui reprend pour l'essentiel les mêmes fonctionnalités. Même chose pour le centre de renseignement en technique policière. Un logiciel qui est une inspiration, pour ne pas dire une reproduction, allégée, du CRTQ. Le CRTQ, c'est la base de données en technique policière qui est utilisée par les policiers patrouilleurs dans leur véhicule. Donc, puisque la SQ ne nous voulait pas utiliser, ne voulait pas autoriser les collèges à utiliser le module formation du CRTQ, les collèges nous ont demandé de le développer. C'est ce que nous avons fait. On a développé un outil qui représente ces fonctionnalités-là et ce fonctionnement-là. Évidemment, ce sont des simulateurs. On ne veut pas reproduire la réalité. On veut surtout faire en sorte que l'élève comprenne, sache ce qu'il a à faire, et quand il va être face à l'outil réel, comme je disais tout à l'heure, il ne sera pas pris au dépourvu, il va déjà avoir une base. La prochaine, s'il te plaît. Les études de cas, des mises en situation où on doit faire des tâches, exécuter certaines tâches. Dans tous ces produits-là, évidemment, on a la réalisation de la tâche proprement dite, mais on a plusieurs éléments d'information, des éléments de théorie, la documentation est présentée, tout est intégré à même le produit et l'étudiant est mis face à un cas, face à une situation et il doit exécuter certaines tâches pour résoudre la situation ou résoudre le problème. Ce sont tous des jeux qui amènent des problèmes, comme par exemple Calilet, c'était un produit qui s'adressait aux étudiants en technologie agroalimentaire de la Pocatière, notamment, où ils ont pour la production laitière et Saint-Hyacinthe aussi. Donc, c'était quatre fermes. Dans quatre fermes, il y a quatre problématiques différentes en lien avec la mamite. Parce que la mamite, c'est une infection du pied de la vache, pour faire une histoire courte, et qui produit des bactéries. Si les bactéries se retrouvent dans le lait, à ce moment-là, lorsque le lait est acheminé à la Fédération des producteurs laitiers, le producteur peut être pénalisé parce que son lait contient trop de bactéries. Donc, il faut croire que ça passe par une pasteurisation, etc. Donc, il y a des coûts énormes chez les producteurs laitiers quand la mamite n'est pas traitée. Donc, ici, on avait quatre cas de mamite distincts. Et là, l'étudiant était face à une situation où il y a un cas de mamite et il faut qu'il fasse son enquête pour déterminer d'où provient la mamite et quelles sont les façons de résorber ou de résoudre le problème de la mamite. C'est la même chose avec Maître Fromager, c'est la production de 5 fromages. Donc, l'étudiant doit réaliser des fromages. Tous les éléments de théorie, tous les éléments de contenu sont là, sont disponibles à n'importe quel moment. Et il doit réaliser 5 fromages. Et s'il manque son coup, son fromage ne devient pas un fromage.
Même chose pour la piqûre d'injection, Spirex, c'est du même ordre. On peut changer de diapo? Merci beaucoup. Jeu d'aventure, jeu de parcours, El Camino de Santiago, c'est un parcours pour l'apprentissage de la compréhension orale de l'espagnol. On le fait à travers le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on a différentes stations où on doit interagir avec des résidents, poser des questions, ils vont nous indiquer notre chemin, ils vont nous dire toutes sortes de trucs qu'on doit faire au cours de notre parcours et on réussit lorsque le parcours lorsqu'on arrive au terme du parcours. Et en même temps, ça nous a permis d'apprendre plusieurs éléments de la compréhension orale, de la lecture ou l'expression écrite en espagnol. Sortir un impasse avec les participes passés, encore là, c'est un dédale de tunnel dans lequel on entre et on doit, pour franchir certaines portes, on doit résoudre des questions en lien avec l'accord du participe passé. Et si on a la bonne porte, donc on peut continuer à cheminer. Si on n'a pas la bonne porte, mais là, il y a une autre question qui nous permet d'avancer ou de ne pas avancer. Et le but, c'est simplement de sortir du tunnel. Détecteur de faute. Ça, c'est un de nos derniers produits. C'est un petit jeu interactif qui nous permet de détecter des fautes de toutes sortes de nature, des fautes de 5 catégories dans des textes. Et le but du jeu, c'est de faire le maximum de points, de scorer le plus haut. Et évidemment, on peut publier ces scores-là sur le détecteur de. On peut rendre public nos résultats et à ce moment-là, se comparer ou performer avec d'autres utilisateurs du détecteur de faute. Et la dernière diapo, est-ce que je suis en train de dépasser mon temps, là, vous me le dites? Au CCDMD, ce sont finalement, ce qu'on voit ici, ce sont les 5 critères avant qu'on décide de faire un produit, peu importe le type de produit, dont notamment les jeux. On a 5 critères qui sont comme primordiaux. Et si ces critères-là, on n'est pas capable de répondre, ou on n'est pas capable de répondre à l'un d'eux, on va réfléchir longtemps avant de faire le produit. Le premier critère, c'est la pertinence des besoins. Est-ce qu'effectivement, ce qu'on va développer répond à un besoin pédagogique réel? Est-ce que ça va combler ou est-ce qu'on pense que ça va combler une lacune ou des problématiques en lien avec ce qui doit être appris ou ce qu'on veut que l'étudiant ou les étudiants apprennent et ou comprennent? Est-ce qu'il y a un produit équivalent qui existe? S'il y a un produit équivalent, en quoi le produit équivalent ne répond pas aux besoins actuels ou aux besoins pressentis? Si le produit équivalent répond aux besoins pressentis, on ne le fera pas. Si le produit équivalent ou on pense qu'un produit existant peut ne pas répondre ou ne répond pas partiellement, on sait que la clientèle québécoise ou du moins le marché québécois est un peu différent des francophones. Déjà là, on peut trouver des trucs super intéressants en anglais, mais qui ne sont pas en français. Donc, déjà là, on a un critère pour pouvoir le faire. Mais on peut trouver d'autres produits qui ne sont pas adaptés non plus à la clientèle collégiale au Québec. Les qualités pédagogiques, effectivement, si les objectifs pédagogiques sont adéquats, sont cohérents, est-ce qu'ils répondent aux besoins à satisfaire? Est-ce que ça va résoudre les problèmes qui sont soulevés? Donc, ça, c'est un autre élément dont on tient compte. La pertinence de médias. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'un enseignant dépose un projet chez nous, veuille faire un produit X, puis avec le ou des conseillers pédagogiques, on se rend compte que c'est peut-être pas le bon produit, on va faire autre chose qui va répondre aux mêmes besoins d'une autre façon. Et souvent, l'enseignant adhère à cette idée-là de façon assez facile, ben, pas de façon, mais assez facilement. Puis on peut pas démontrer, mais si on peut réussir à montrer ou à démontrer que le besoin pédagogique peut être combiné d'une autre façon, puis le résultat va être le même, voire même peut-être mieux, ben, à ce moment-là, on va développer le produit. Ce n'est pas parce qu'un enseignant avec un produit ou une idée X qu'on va réduire son idée. Parfois, on peut l'augmenter. On peut aller un peu plus loin que ce à quoi l'enseignant songeait au départ. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et la faisabilité, évidemment, quels sont les coûts ressources humaines, les délais, tout ce qui sont les facteurs. Le nerf de la guerre là, avant de développer un produit, est-ce qu'on va avoir les moyens financiers, humains et matériels pour le développer? Et voilà, c'est tout. J'espère que j'ai respecté mes temps. Oui, c'est pas...
Parfait, c'est grand. Merci beaucoup, c'est Marc, pour cette présentation. Donc, les ressources du CCDMD sont vraiment intéressantes. Il y a beaucoup de contenu, de jeux qu'on peut exploiter de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de ressources à développer. Et je m'excuse, mais est-ce que vous donnez des contrats de développement de jeux aussi? Non. OK. Donc, juste pour faire une histoire courte, peut-être que je ne l'ai pas précisé. Bon, là, l'appel de projet annuel a pris fin le mois dernier. Au début d'avril, mais au début mars, plutôt, je m'excuse. Mais nos appels de projet, c'est une fois l'an et on ne prend pas de contrat de production. Un enseignant qui veut développer du matériel pédagogique avec nous doit passer par l'appel de projet. L'appel de projet, vous allez le trouver sur l'adresse, sur le site du CCDMD, www.ccdmd.qc.ca. Je pense que tout le monde nous connaît, du moins je l'espère. S'il y en a qui ont des questions spécifiques en lien avec une idée de projet, parce qu'une idée ne devient pas nécessairement un projet, ça peut rester une idée, mais ça peut devenir aussi un projet. S'il y en a qui ont des idées ou s'ils veulent évaluer la faisabilité ou la possibilité de déposer un projet chez nous, ils peuvent me contacter à n'importe quel moment. Ça fait partie de mes tâches, de mon rôle d'aider les enseignants à présenter des projets chez nous.